said you don't need your heart in this world full of trouble where the madness won't stop. Hello, hello à tous, c'est parti. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans mon training jambes, ciblé un petit peu fessier quand même. Et on s'entraîne toujours un peu avant pour s'échauffer. 10 minutes de vélo, c'est parfait. Allez, c'est parti. On va commencer avec du squat en pulsing, des petits à-coups. Avant ça, on fait un petit peu de squat à vide pour continuer de l'échauffer en fait. Voilà, c'est parti, on est bien échauffé, on a eu un petit peu chaud et maintenant on va partir sur 4 séries de 10 répétitions. Je vous montre ça. Maintenant on passe au second exo, on va partir sur du hip thrust en 4 séries de 15 répétitions. La petite astuce, si vous voulez cibler encore plus les fessiers, c'est l'élastique au niveau des genoux. Comme ça, vous concentrez encore plus d'efficacité sur les fessiers. C'est parti, troisième exo, on part sur du kneeling squat. Donc squat sur les genoux pour cibler encore plus les fessiers. On va partir sur 4 séries de 12 répétitions. Quatrième exercice, on passe sur la presse inclinée, on va faire 3 séries de 12 répétitions normales et ensuite on va passer sur de nouveau 3 séries de 12 répétitions mais en sauté. Tout au long de l'exercice, veillez à surtout ne pas bloquer les genoux, toujours rester un peu flexible au niveau des genoux et poussez toujours avec les talons. C'est là que vous intervenez sur les fessiers. Maintenant, on part sur des fentes marchées mais ouvertes. Je vais vous montrer ça juste après. On part sur 3 séries de 16 répétitions. C'est parti, on va être sur des exercices un petit peu plus cardio maintenant, sur une box jump ou saut sur step ou sur une box. On va partir sur 4 séries de 15 répétitions. Maintenant, on va partir sur un exercice un peu plus unilatéral, toujours sur la box. On va faire 3 séries de 10 répétitions sur chaque jambe. Dernier exercice, toujours un petit peu cardio pour monter au niveau cardiaque. On va partir sur du agility bound. Ça va être des sauts sur les côtés. On va faire 4 séries de 18 répétitions. C'est parti. Si vous voulez intensifier encore un peu plus l'exercice, on met l'élastique au niveau des genoux. N'oubliez pas surtout de revenir au calme après votre training, par exemple avec des étirements. Le training est maintenant terminé. N'hésite pas à mettre un petit like et beaucoup d'abricots en commentaire si ça t'a plu. Et puis, pas mal de vidéos sont à venir par la suite. Donc si tu ne veux pas les manquer, abonne-toi et active la cloche. Ciao, ciao, à bientôt.